en perte de l'attendre. Vous filez la sacrifice, vous. Mon embarcation au port du Cros, plus haut de tout ça, je serai mieux à écoper. C'est sûr. Et pourtant, un homme comme lui, un féru d'horloge, un collectionneur de montres. Merci de me dire ça. Ceci est vraiment inadmissible. Avec autant d'horloges présentes dans cette maison, de n'être point à l'heure. Je vous l'accorde. Sans parler, il faut le temps. Le temps, nous pouvons parler. Parlons encore. Que cette merveilleuse Madame Martha. La pauvre. Avec cette hurluberlue qui fait tout exploser en permanence, avec ses expériences, je suis sûr qu'il fait quand même des cochonneries. Il ne sait pas la chose qu'il a. Le repas va être encore brûlé. Ouf, cela sera sûr. Et pourtant, quel père. La nourriture est d'habitude exceptionnelle, cette dame. Exceptionnelle. Nous n'avons pas toute cette chance. Oh. Dites-moi, mon cher Jules. Jules Verne. Oui, cher ami. Toujours à la rubrique nécrologique du petit soir. Avez-vous bien lu ma chronique de ce jour? C'est la chronique gastro-entérologique. Ah non, aujourd'hui, c'est les décès et les gens tombés du train. Vous savez, l'avantage avec cette chronique, mon ami, c'est qu'au moins, tous les jours, j'ai de quoi décrire. Et vous commencez à voyager avec le train. Un petit peu. Mais au moins, avec toutes ces morts, je peux écrire des histoires. Entre l'ouvrier tombé du toit, le cocher renversé écrasé par sa calèche. Cela fait toujours des histoires. Au moins, je peux écrire. Car là, au moins, je peux exprimer toutes mes idées. J'en veux plus. Regardez les annonces de bateau qui changent de route. Oui, mon bateau est merveilleux, mon cher ami. Merveilleux, mon camp arrive ce matin, je pêchais trois énormes cachalots. Des cachalots. Des orales, peut-être. Des sardines. Et encore. Il y a toujours un coin. En tout cas, il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il est la meilleure cape de toute la gonne. Heureusement qu'il y a au moins ça. Merci, Phileas, de nous rappeler cette belle chose. Mes amis, trinquons. 5 ans en attendant. Il est ce bois. Mais que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il? Vous travaillez d'extension? Non, c'est trop fort. Le temps est long.
J'arrive pas à faire la symbiose entre le temps, entre le travail et entre la maçonnerie. Non, ça, j'arrive pas. Quatrième dimension, c'est le voyage vers le passé. Quatrième dimension. Et vers le futur. Vous y êtes. Il ne part pas, vous êtes quatrième dimension. Non. Mais oui. Passion temporelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le voyage dans le temps. Ça y est, je l'ai trouvé. La machine pour voyager dans le temps. Je reviens du futur. Ok, on croira. Encore une sur les chansons françaises. Non, tout ça, je reviens du futur. Mais Saint-Anne, si, c'est pas mal. Mais dans le futur, j'ai été le témoin de tous les grands événements. Il y a un docteur dans la salle, mais faites-le. Oui, dans un avant, on va appeler le docteur. Ça fait deux jours. J'ai été témoin du naufrage du Titanic. J'ai été témoin de la Première Guerre mondiale. À quoi? La petite dégueulasse. J'ai été témoin de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi? J'ai été témoin de l'assassinat de JFK Kennedy, C'est Kennedy. J'ai été témoin de l'élection de Michel Ménine. Mais c'est Kennedy. J'ai même fait partie d'une secte. Une secte. Golgotha. On faisait des mentions de l'écrit comme... Elles sont bancales. Ah, nous n'en croyons que vous. Madame Parfois, vous venez nous en parler. Un homme comme vous qui ne connaît pas les élargons. Mais non. Quoi? Nous n'y croyons pas. Il va vous falloir une preuve. Absolument. On attend que ça. Présentez-nous toutes les choses. Fadel. C'est insensé. Approchez-moi. Voilà. J'avais la Doloréal. Je me la suis fait voler sur le parc. Marcel Pagnon. J'ai la Icarus. Petit meuble. Assorti. Turbo, Solex, spatio-temporel avec éjection des particules. Merci. Ah, c'est pas ma machine. C'est bien joli, mais ça ne fait pas grand chose cette histoire. C'est pour les poissons. Grâce à ces machines et grâce à cette petite poignée que j'appellerai la peste, le pistolet encéphalique spatio temporel, je peux ouvrir une fenêtre. Sur le futur, je peux aller déborder votre imagination insensée. Et vous allez pouvoir voir votre avenir. Vous ne verrez pas grand chose avec les mots. Venez, mon ami, vous Trois cachalots. Vous regardez votre pointure à la réserve, au fond. Vous voulez connaître votre avenir, vous allez être brillant, et vous allez voyager. Moi j'ai toujours rêvé de voyager sous les océans, dans les Batiscafes énormes. Oh, vous réalisez mon rêve, mon ami. Mais c'est vous qui allez le faire. Je rêve.
Je vais être l'amiral Nemo. Capitaine, c'est l'amiral. Regardez, regardez, c'est magnifique. Fabuleux. En voilà décidé. Merci. Vous allez vivre sous les océans. Moi, j'en ai besoin. Et longtemps. Une machine pour aller sous la mer. Je la construirai de mes mains. De vos mains. Quand j'aurai réparé mon poids dû. L'eau aura coulé sous le paillon. Non, bien, bien, bien. Vous êtes sceptique pour le moment. On va voir tout à l'heure. Hein? Oui. Pour le tour de la machine. Mais venez ici, mon ami. Venez, mon ami Péatron. Venez. Vous habitez toujours à Borria, vous ne l'habitez jamais. Hein, vous, le chemin de Provence est déjà trop loin. Non, je vais jusqu'à la place du Maraudier. Ah, oui, vous irritez, je ne comprends pas. Et vous pensez que vous ne voyagez jamais? Mais non, je ne voyagerai jamais. Moi, vous savez, le bout de ma rue, c'est bien suffisant. Regardez votre avenir. Mais bien votre acolyte. Mais donc. Les ballons. Les ballons plus beaux, on les connaît. Le tour du monde à 80 jours est impossible, messieurs, avec ces engins du futur. Mon imagination de travail. Mais vous avez vu toutes ces machines, ça? C'est cette machine? Oui. Vous avez vu toutes ces machines? Et c'est son avenir. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Il n'y a aucun trucage. Oh, pas possible. Vous connaissez. Vous aimez toujours les vieilles pierres. Parfait. Oui. Et vous pensez que votre avenir est fait de vous allez pas servir. C'est fantastique. Moi qui ai toujours rêvé d'aller dans ces boyaux étroits, sombres et chaleureux. Surtout chaleureux. Fabuleux. C'est les corps. Bravo. Racontez-moi, Otto. Racontez-moi cette histoire. Au centre de la Terre. Comment ferez-vous? Ça, Doc. Vous voulez? Doc. Oui. La vidange, c'est pas pour tout de suite. Un problème de caramélisation. Oui, dites-moi, oui. Vous allez au centre de la Terre. Oui. Allez, sûr, vous allez au centre. Pas tout à fait au centre, c'est un peu chaud. Mais juste avant. Alors. Non. Alors, oui. Alors, mes amis. Alors, mes amis. Alors. Oui. Ça y est. Les émotions vont en tête du coup, là. Mais les voilà, je les ai mes histoires, enfin des histoires pour changer les chroniques dans le petit histoire. Je vais pouvoir écrire sur vous tous, sur vous Nemo, sur vous Phileas, sur vous Otto. Pour vous Nemo, je vois une chronique, la chronique de vos voyages au fond des mers. Vos engins, vos scaphandres, vos sous-marins, vos combats avec ces monstres marins. J'ai déjà une idée. Pour vous, ce sera Amiral Nemo, le voyage au centre de la mer. Et vous, Phileas, vous qui n'êtes pas si voyageur, vous pour qui le bout de la voie Aurélia est déjà le bout du monde, le Var, n'en parlons pas, vous êtes déjà à l'étranger. Je vois des histoires, je vois quelqu'un, votre alcoolite passe partout. C'est pas compliqué, hein.
Celui-ci vous permettra de voyager afin de goûter tous les élixirs de la terre. Il vous emmènera des whiskies du fin fond de l'Écosse, au gin, des Indes, en passant par le saké du Japon, la tequila du Mexique, le rhum des Antilles, le ouzo libanais. Vous en perdrez la tête. Pour vous, l'histoire se nommera le tour du monde en 80 marronniers. Vous avez fait de l'imagination, hein. L'inspiration, hein. Vous êtes comme ça. Formidable. Il y a quand même beaucoup. Là, au moins, il nous ramènera quelque chose de ses voyages. Et vous, Otto? Pour vous, je narrerai vos exploits, votre exploration du centre de la Terre, la découverte de cette forêt immense de champignons. Ils sont dans sa cave, s'il vous plaît. Les champignons, ils sont déjà dans sa cave, mon ami. Ça aussi. Votre amour de la géologie sera comblé. Vous découvrirez des cristaux immenses, des volcans souterrains, des grottes sombres, immenses, humides. Oh. Pour vous, moi. Pour vous, rien que vous. Merci. Votre histoire se nommera 20 000 lieues au sang sous la terre. Quelle histoire? Mais non, on verra pour les titres. Et vous, Doc? J'imagine déjà une histoire pour vous. Le voyage du Doc Strogoff. Vous êtes pigiste à la Gazette des Arcas. Non, mon ami, le petit histoire. Le petit histoire. Le petit histoire. Dans la rubrique nécrologie, gastro-entérologie. Eh oui, mon ami. Non, mon ami, mon meilleur ami, Jules Verne. Non, soyez plus ambitieux. Venez. Vous allez devenir le plus grand écrivain français, le deuxième plus grand écrivain français, après Marquis. Non. Mon cher Jules Verne, regardez votre œuvre. Non. Les livres. C'est donc vrai. Regardez, Éric Strogoff, le voyageur. Oui, il est là.